Alors bonjour à tous les trois, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler des concepts dans le food truck. On va vous poser juste quatre petites questions. Donc premièrement, quel est le concept de votre food truck? Commencez par Martin. Moi, alors déjà bonjour. Moi le concept de mon food truck, ça s'appelle El Tacos. C'est un food truck mexicain. C'est-à-dire qu'on importe la nourriture mexicaine en France. C'est un food truck qui s'appelle le Ricard, en rapport avec le Ricard qui vient donc du sud de la France. Et donc j'importe et je fais des spécialités du sud de la France, mais ainsi que des spécialités italiennes et espagnoles. Alors mon food truck est ivoirien. Déjà on cuisine la nourriture ivoirienne et on les livre sur une île qui s'appelle la baie des Milliardaires. Alors prochaine question, depuis quand avez-vous lancé votre food truck? Alors nous, depuis 2017, et on est spécialement pour l'instant en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors nous, c'est depuis 2019, on se trouve donc à Lyon pour le moment, sur les quais de Sceaux. Et moi, il y a 2 ans, et là maintenant, cette année en 2021, on essaie d'ouvrir un restaurant. Ensuite, pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure des food trucks? Alors pourquoi les food trucks? Alors nous on voulait déjà se lancer dans un restaurant, mais on voulait faire quelque chose de plus original et mexicain, parce qu'on a vu qu'on avait toute une étude de marché et mexicain n'était pas sur le marché, alors les deux idées collaient et on s'est lancé. Alors nous c'était principalement pour faire venir des spécialités un peu du sud, donc de l'Italie, de l'Espagne, du sud de la France aussi, avant de faire découvrir tout ça au lieu. Moi, c'est pour promouvoir la nourriture ivoirienne, d'abord dans tout le pays et après à l'international. Et donc, déjà la dernière question, et c'est, est-ce que vous comptez peut-être ouvrir un restaurant ou rester dans le domaine des food trucks? Alors nous, on compte rester dans le domaine des food trucks pour l'instant, il n'y a pas d'objectif de restaurant pour l'instant. Nous, on envisage donc de créer un restaurant par la suite, pareil à Lyon, et pourquoi pas après développer des food trucks partout dans la France. Comme moi, je vous l'ai déjà dit, oui, j'essaie d'ouvrir un restaurant, d'abord en Côte d'Ivoire et plus tard à l'international.